Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'événement que nous allons mettre en position latérale de sécurité sera les élections américaines. Alors les élections américaines, c'est un peu comme si les prédicateurs de l'apocalypse sortaient de leur stupeur pour nous annoncer que pluie de grenouilles et sauterelles de l'enfer n'allaient pas tarder à s'abattre sur nous. En fait, c'est exactement ça les élections américaines, des bobos qui reviennent subitement à la réalité en constatant que leurs concitoyens, c'est en grande partie des gens sous-éduqués, asservis à un système qui les dénigre, qui décide qu'aujourd'hui trop c'est trop et que peut-être les salades populistes sont finalement pas si pires que celles servies par les autres tocards d'en face. Les élections américaines, c'est un peuple qui a voté en toute connaissance de cause pour être représenté par un homme menteur, grossier, vulgaire et orgueilleux, ce qui en dit suffisamment long sur le degré de détresse qui les affecte. Parce qu'il faut bien se l'avouer, la mère célibataire qui cumule 3 emplois, ou le pauvre bougre qui perd sa maison à cause de la folie des banques, il n'en a rien à foutre du racisme, du sexisme ou de l'homophobie. Ce que veut le peuple, c'est un toit pour dormir, du travail pour nourrir ses gosses, et savoir que sa putain de sécurité est à peu près garantie. Les élections américaines, c'est la déconfiture d'un parti démocrate qui, à force de magouilles financières et politiques, a complètement perdu le sens des réalités et a livré sa population aux extrémistes de tous bords. Les élections américaines, ce n'est pas la victoire de Donald Trump, mais bel et bien l'échec d'une Hillary Clinton trop occupée à asseoir sa propre stature pour réellement s'intéresser aux interrogations de ses habitants. Une défaite qui semble en surprendre beaucoup, mais qui trouvait pourtant une résonance annonciatrice dans la victoire du Brexit anglais. Alors oui, effectivement, si vous aussi vous vous êtes indigné sans commune mesure devant cette montée du populisme, il serait également de bon ton de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et de ne pas condamner une population victime d'un système électoral archaïque et d'un abandon politique total de la part de sa caste dirigeante. Pour les autres, vous serez certainement plus horrifiés par les statuts méprisants et dédaigneux envers le peuple américain que par l'élection de cette baleine orange de Donald Trump, triste copie de Biff Tannen, qui sera certainement beaucoup plus pieds et poings liés que l'on ne le croit dans son statut de président. Les élections américaines, c'est donc une flopée de crétins sur les réseaux sociaux qui se permettent de juger sans aucun recul leurs voisins outre-Atlantique, quand bien même nous alignons coup sur coup une raclure notoire et un idiot BA pour président. Les élections américaines, c'est la phobie d'une 3e guerre mondiale, alors qu'un tant soit peu d'analyse révèle qu'il y avait plus de chances de courir vers la catastrophe internationale avec cette va-t-en-guerre d'Hillary Clinton qu'avec Trump au pouvoir. Les élections américaines, c'est la gauche bourgeoise mise en PLS qui se rétracte dans un pur déni démocratique, préférant faire taire, moquer ou vilipender, plutôt que de comprendre la raison profonde qui ont conduit leurs concitoyens à voter avec si peu de considération. Les élections américaines, c'est un dégoût massif des médias toujours prompts à indiquer quoi dire et quoi penser, comme s'ils détenaient la sainte vérité, sans jamais regarder dans leur propre miroir. Enfin, les élections américaines, quoi que l'on en pense, c'est clairement un signal d'alarme, la preuve concrète que quelque chose est en train de se produire et que des lignes sont sensiblement en train de bouger. Pour le meilleur ou pour le pire, seul l'avenir nous le dira.